Il y a 2 ans, avec ma proche collaboratrice Turcy, j'ai décidé de participer au Duo Day et de partager mon quotidien avec Nanzan. Avant mon Duo Day, j'étais en formation au centre Jean Moulin pour une reconversion en ressources humaines. Il fallait valider la formation par un stage en entreprise. J'ai choisi le ministère de l'Éducation. Alors en ce qui concerne le programme type du Duo Day, dans un premier temps, il y a l'accueil, qui est très important pour favoriser l'intégration. La présentation auprès de multiples acteurs. En amont, nous lui avons remis un petit dossier pour lui présenter donc, le ministère de l'Éducation nationale. J'ai passé l'après-midi avec ma tutrice, Madame Bonnard. Nous lui avons expliqué en quoi consistait le métier de gestionnaire RH, quelles étaient les qualités, les compétences attendues. Du coup, quand je suis rentrée après cette journée exceptionnelle, j'ai un peu réfléchi et puis pris un peu de recul et j'ai postulé au CNAM. Alors de mon point de vue, le Duo Day a facilité le recrutement de Nanzan Mété parce que ça a permis de mettre en relation l'employeur que nous sommes au sein du service public et une personne qui recherche un emploi mais qui ne savait pas forcément quels étaient les emplois disponibles au sein de la fonction publique. Bien, c'est vrai qu'en ce qui concerne la situation de Nanzan Mété, la médecin du travail a préconisé du matériel pour l'aménagement de son bureau, donc un fauteuil ergonomique spécifique, un repose-bras ainsi qu'un repose-pied aménagé. Et au-delà de cet aménagement-là, je travaille avec elle pour qu'on limite le stress. Et dès qu'elle a besoin de soins, je lui fais confiance, elle me le dit et on s'organise pour qu'elle s'absente ou qu'elle puisse avoir du télétravail consécutif. Alors, l'objectif pour Nanzan, c'était surtout d'être rassurée parce qu'elle avait effectivement une appréhension du regard des autres par rapport au handicap. Et au cours de cette journée, elle s'est rendue compte qu'on était tous sensibilisés. Alors, journée exceptionnelle. J'encourage les personnels à participer au Duo Day. C'est une journée formidable qui peut aider à mettre en relation des personnes entre elles et à apporter une connaissance d'un environnement professionnel. Donc les personnes peuvent se démarquer ensuite dans les entretiens de recrutement et dans les lettres de motivation en mentionnant qu'ils ont déjà une connaissance de l'environnement dans lequel ils souhaitent évoluer. C'est une belle expérience, ça a marché pour nous, donc pourquoi pas pour vous.